Petit peu de Outrun ce soir pour fêter les 30 ans de la Mega Drive, hein, quand même ça se fête, donc un petit stream de jeu à l'ancienne, le bon vieux Outrun de Sega. Alors, j'y joue sur la version Mega Drive, hein, sachant que c'est pas la plus réussie forcément, mais c'est pas grave, vous allez voir ça, c'est quand même mieux que la version Master System, etc. Je vais jouer avec donc les Retro Achievements, une petite option bien sympathique. C'était ça en fait que je voulais vous montrer. Hop, je vous en ai déjà parlé sur une émission Retro Gaming Bros. Je vais y arriver. C'est un système de trophées en fait qui a été déporté sur les jeux rétro gaming. Et ça, c'est vraiment la classe parce que par exemple, vous voyez sur celui-là, sur Outrun. Tac, tac, tac. Si on descend, on a toute une liste de trophées qui a été créée par la communauté et validée par la communauté. Et après, ben voilà, si vous avez un émulateur compatible, vous pouvez avoir les trophées correspondants. Donc là, vous voyez, tout est grisé. C'est parce que je n'en ai aucun. Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout joué au jeu. Donc ça ne va pas être le stream du skill. Hein, ça va être le stream de la découverte. J'y ai joué un petit peu sur la 3DS, sur la version 3D, qui est beaucoup plus facile. Donc on va voir ce que ça donne ce soir. En retournant un petit peu sur les trophées à la fin, si vous voulez bien, une fois que vous aurez vu le jeu avec moi. Donc, alors, je retourne sur le jeu. Et on va se lancer tout de suite sur ce bon vieux jeu il date de 1986, c'est Sega qui l'a fait, forcément, il est sorti en arcade en premier lieu. Et le créateur, c'est... Bah voilà. C'est l'idole de notre ami Racco de Retro Gaming Bros. Hein. C'est Yu Suzuki, le créateur de, entre autres, Virtua Fighter, je crois, mais surtout Shenmue. Donc voilà pourquoi je parlais de Racco, qui est très 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 fan de ce jeu. Donc en tout cas, il a créé Outrun et on l'en remercie et on va tester ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais peut-être remettre le son du jeu, histoire que ce soit un petit peu mieux. Vous me dites si jamais dans la chatroom si c'est pas trop fort le son. Normalement j'ai fait tous les réglages pour ça. Salut Rusher, salut Fab dans la chatroom pour ceux qui nous regardent en direct. Pour ceux qui nous regardent en replay, et bien les directs justement ça se passe sur Twitch. Twitch.tv/studio-renegade. Voilà. Salut Ghost Dragon. Je suis malade. Non, je ne suis pas malade. Ah, parce que je commence mes lives en avance. Eh ben écoute, j'avais prévu de m'entraîner, mais j'ai pas eu le temps de m'entraîner. C'est pas grave, j'ai fait mon setup aux petits oignons, normalement. Et on va pouvoir commencer. Allez. Je ne joue pas avec ce genre de manette, malheureusement. Pour pouvoir streamer sans boîtier d'acquisition, je stream sur un émulateur. Allez, c'est parti. On va laisser la musique de base. Allez, c'est parti. Alors, ne vous étonnez pas, on n'entend pas le bruit du moteur. Oups, c'est pas ce stick, c'est celui-là. On n'entend pas le bruit du moteur sur cette version, sur la version Mega Drive, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Hein. Il a été développé à l'arrache, je pense, surtout. C'était un des premiers jeux de la Mega Drive, donc je pense qu'ils auraient pu faire mieux avec le temps, mais bon, c'est pas grave. On va s'y faire. Aïe, 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 ça commence mal. Alors, j'ai quoi? J'ai deux boutons, accélérer, freiner, classique, et j'ai surtout un troisième bouton qui permet de changer de vitesse. Enfin, changer de vitesse, faut le dire vite, parce qu'il n'y a que deux vitesses, la low et la high. Et là, je suis toujours bloqué en low, et j'ai pas le moteur qui rugit, parce que j'entends pas le moteur. Donc, c'est pas très pratique, faut surveiller la barre en haut. Je crois que là, faut freiner. Ouais, là, faut freiner. Oh. À cette allure, je suis pas rendu. Et le principe du jeu, c'est que en fait, il va y avoir des embranchements. Voilà, premier embranchement, je choisis gauche ou droite, et en fonction de là où je vais avoir des parcours différents, plus ou moins faciles. Hop là, hop là. Allez, pousse toi le camion. Ah, bah voilà, j'ai débloqué un trophée. Vous voyez, ça s'affiche en bas de l'émulateur. Sauf que si je lis le truc, je peux pas avancer. Donc je ne sais pas ce que j'ai débloqué. J'ai dû débloquer. Vous avez fini la première zone. Et je viens de découvrir que j'étais en train de freiner en appuyant sur le bouton pour rétrograder. Ce qui est un peu bête. Ce qui marche aussi, mais c'est un peu plus violent. Oh!
Bim! Ah là là, double combo. Allez, redémarre vite. On a fait quelques progrès en 30 ans, on nous dit dans la chatroom. Effectivement. Mais c'est bon, petit vieux jeu en 2D, comme ça, c'est assez sympa. Ah, peut-être pas cette version, hein. Il y en a des versions un peu plus belles. Bah, la version arcade, tout simplement. Si vous jouez sur émulateur, c'est l'occasion de refaire ça là plutôt. Bim! Voilà ce qui se passe quand on lit la chatroom. Allez, vite, démarre. Normalement, on enchaîne 5 zones pour arriver à la fin du jeu. Un jeu. Ah, bah voilà. Game over. Et j'ai pas eu le trophée de la deuxième zone d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors, vous voyez qu'il y avait personne dans le classement. Je vous disais pas des bêtises, hein. C'est ma toute première partie. J'ai fait 11. Non, j'ai fait 1 million. 1 million, c'est la misère. C'est pas grave, on va s'améliorer. Alors, j'en profite pour lire la chatroom, hein, tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous me dites? Ah oui, non, ce que tu disais, Ghost Dragon, c'est qu'on a fait les progrès en 30 ans, mais pas forcément plaisir de jeu. Effectivement. Les bons vieux jeux arcade, quand même, ça fait plaisir d'y rejouer de temps en temps. Ce que je ne comprends pas dans ce jeu, c'est que la moitié de l'écran supérieur ne sert à rien. Une vue un peu plus plongeante aurait été mieux. Ouais. Ouais, enfin plongeante, un peu plus plongeante, je sais pas si, ouais, on verra un petit peu mieux, mais bon, de toute façon, c'est de l'arcade, le principe c'est de pas forcément voir hyper loin. Get ready. J'ai raté mon super démarrage. Bon, je vais essayer de faire tout le parcours gauche, gauche, gauche. Comme je vous disais, il y a des embranchements, donc à chaque fois je vais prendre la portion de gauche. Si jamais j'arrive à finir le jeu, ça nous fera la première fin. Non! Ah là là, j'arrête pas d'appuyer sur le changement de vitesse au lieu du frein, c'est n'importe quoi. Oh là là, ça commence très mal cette partie. Je me concentre un petit peu. Il y a beaucoup de voitures. Oh là là, je tourne sur le camion. C'est n'importe quoi. Et comme je vous disais, il y a une version 3DS qui est sortie il y a quelques temps. Je sais pas si vous avez suivi sur. Hop, 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 hop. Allez, mais pousse-toi. Je continue de freiner en passant la vitesse du bas. C'est pas bon du tout. Bah, je vous disais, donc il y a des rééditions des jeux Sega qui ont été faits sur 3DS avec la version en 3D relief, justement. Ils ont rajouté ça. Et c'est sur cette version que j'ai pu tester le jeu vite fait, hier matin. Et la version 3DS est vraiment sympa, hein. L'ajout de la 3D relief, c'est assez cool sur un jeu comme ça. Et du coup, ils en ont profité pour ajouter des petits trucs, genre une difficulté qui est réglable entre 1 et 5 étoiles, et si tu mets 0 étoile, enfin si tu mets une étoile, du coup, il n'y a plus du tout de graphique. Et si tu mets 5 étoiles, il y a des voitures dans tous les sens. Donc forcément, ça me change un peu parce que là, il y a pas mal de voitures. Dès le mode normal. Ce qui n'est pas très cool. Après, comme je disais, quand on a le skill, le jeu, il se finit en 5 minutes. 6 minutes peut-être, je sais pas. Ça va assez vite, hein. Ah non, j'ai voulu trop couper. Donc forcément, ils ont rajouté un peu de difficulté pour histoire qu'on que le jeu qu'on avait payé 400 francs à l'époque, il nous dure un peu plus de d'une demi-heure. Allez, on va dans le désert. Est-ce qu'on va arriver un peu plus loin? Je sais pas où il est le chrono. Ah oui, 5 secondes. Bon ben. Checkpoint. Ah bah si, j'ai fait le checkpoint cette fois. 62 secondes de bonheur en plus. Je trace, je trace, je trace. Oh là là, ça clignote, hein. La pauvre Mega Drive, elle crache ses poumons. Je n'y vois rien.
Ah, j'ai encore freiné sur le mauvais bouton. Je vais pas y arriver. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on n'a pas parcouru la liste de tous les trophées, mais il y a dans les rétro achievements, il y a des trophées. Ah non! Pourquoi je parle? Il y a des trophées assez rigolos. Bon, il y a les trophées. Il y a un trophée parfum. Parfum possible, c'est-à-dire qu'il y en a 5 différents. Il y a un trophée par zone finie, ça c'est les trophées faciles. Et après, il y a les trophées de la mort, genre, faut finir chaque zone sans toucher une seule fois le bord de la route. Genre ce que je suis en train de faire là. Et le trophée ultime, je crois que c'est finir le jeu comme ça. Ah, OBS, il a coupé. Pardon. J'ai vu les petites notifs. Ah, game over. C'est revenu? Ah, pardon, j'avais pas vu. Ouais, effectivement, il y a OBS qui m'a dit coupure de streaming. Bon, a priori, c'est reparti. Bon, du coup, pendant ce temps, malheureusement, je n'ai pas fini le désert. C'est revenu, hein? Ah! Non, ça coupe. Non, ça a pas l'air de revenir en fait, hein. Bon, bah, je vais arrêter, je vais relancer. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça remarche? Ah, j'ai coupé pour rien, j'aurais dû attendre. Désolé. Désolé les gens, il y a un petit souci de connexion là. Normalement, c'est reparti. Donc, on est toujours sur Outrun. Dur, dur, hein. Dur, dur. Le décalage avec la chatroom m'a enduit d'erreur. Alors, pourquoi je n'arrive pas à passer cet écran? Parce que je n'ai plus la souris sur l'émulateur. Voilà, ça sera plus mieux comme ça. Allez, on recommence. Alors, est-ce que je vous la refais depuis le début là? Un jeu sorti en 1986 sur bande d'arcade et qui a été adapté sur 150 000 consoles et ordinateurs de l'époque. Ah, j'aurais dû en profiter pour changer les boutons. Histoire que j'arrête de rétrograder quand je veux freiner. Hop là là, je l'ai encore refait. Personne n'a rien vu, tout va bien. Je vais encore faire du gauche, gauche, gauche. Et puis après, je changerai peut-être un peu. Hein. Parce que. Oh là là, il y a trop de circulation ici. C'est mal barré pour faire un score convenable. Hein. Je crois qu'il va falloir s'entraîner un peu plus. Ah, pousse-toi le camion! Mais trop petite cette route. Après, on ira faire un petit tour sur les trophées, voir ce que j'ai débloqué. Ah là là, mais pousse-toi le camion. Ça doit vraiment être chaud de finir le jeu sans toucher la route. C'est peut-être pour ça que personne n'a eu le trophée en fait. Et je continue de freiner sur le mauvais bouton. C'est pas possible. Je vais changer les boutons après. Ça passe, ça passe, ça passe. Ah, mais pousse-toi, le pick-up. Allez. Je changerai de musique aussi, ça va être saoulant sinon à force. Même si elle est mythique, cette musique. Encore appuyer sur C pour freiner, ce n'est pas le bon bouton Charlie, réfléchis. C'est dur hein, c'est dur de pas être doué. Ça passe, ça passe. J'ai réussi à doubler un camion. Oh! Allez, on enchaîne. Vite, 19 secondes. Le désert. Ouh, j'ai de l'avance là par rapport à tout à l'heure. On dirait que je m'améliore.
76. Mais oui, je m'améliore. Allez, on trace, on trace, on trace, on trace. Ah, mais non! Poussez-vous! Waouh, 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 waouh! Alors là, bonjour la crise d'épilepsie. Hein. Aïe, 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 aïe! Allez, roule, roule, roule! Non! Ah non, pas le panneau! Ah non, pas le panneau, quelle erreur. Alors là, je perds. Oh là là, je perds au moins 5 secondes. Même plus. Oh là là, c'est catastrophique les panneaux. J'étais en train de me dire, j'allais peut-être voir la zone 4, du coup, mais ça me semble. Oh là là. Difficile. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. 9 secondes pour arriver au checkpoint. Vite, 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 vite. Waouh, pousse-toi le camion. Yeah, checkpoint. Allez, on trace. Ah là là, j'ai encore appuyé sur le bouton, mauvais bouton pour freiner. Allez, 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 allez. C'est un jeu d'arcade où faut freiner. Un jeu de voiture où faut freiner, c'est un scandale. Pousse-toi avec ta choupette là. Ouais, j'ai les références qui vont avec l'époque. Hein. Allez. Oh là, mais il y a du monde sur cette route. Oh là là, je le sens pas. Je vais rester derrière gentiment. Non, 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 pas les rochers. Je suis plutôt pas mal là, je pense. J'ai pas pris de rocher. Freine, freine. Eh, hey, faut doser là, ça rigole plus. Et voilà. 5 secondes où ça va être très très chaud pour le dernier checkpoint. 3, 2, 1, vite. Ah, il est où, il est où, il est où? Ah! Salut, killer volant. Choupette, ah, je t'ai tué là. Vous avez vu, j'étais presque au bout. J'étais presque au bout. Allez, on va continuer ce trajet, alors je le sens bien, là. Là, je commence à être chaud. Faut juste... Je commence à appuyer sur le frein. À appuyer sur le bon bouton quand je freinais. Il y a du progrès. Tu vas péter la boîte si tu rétrogrades comme un sauvage. Ah, mais ça, c'est clair, j'arrête pas de le faire. En plus, ma pauvre Testarossa, elle fume, elle fume. Allez, on y va, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sega. Ah, attendez. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va aller voir. Hop. Est-ce que je suis sur la bonne page? Oui, je suis sur la bonne page. Alors, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Je rafraîchis. Attention. Est-ce que j'ai chopé des trophées ou pas? Oui, regardez, ils se sont illuminés. Comment c'est beau. Alors, Coconut Beach, je l'ai. Sachant que 95% des gens l'ont eu. Ensuite, j'ai eu bah, voilà, tous les stages que j'ai fait. Alors, j'en ai un qui est rigolo, c'est What Breaks. Finissez le stage 1 sans freiner et sans vous casser la figure. Bon, ben voilà, j'ai réussi à le faire. Très bien. Après, il y avait quoi d'autre? Il y avait Cloudy Mountain. Donc ça, c'est finir les niveaux, finir les niveaux, finir les niveaux. Finir les niveaux. Très bien. Ensuite, il y a finir les niveaux en difficulté pro. Donc ça, il n'y a que 2% des gens qui ont réussi à le faire, donc c'est pas gagné. Ensuite, il y a des trophées sur le score. Il faut avoir 5 millions, 10 millions ou 20 millions. Très bien. Ensuite, le trophée des chirurgiens. Il faut finir une route en normal sans avoir touché une seule voiture et sans vous s'enfoncer, sans avoir d'accident, quoi. Ok, facile. Enfin, facile. Ah oui, mais finir tout le jeu sans toucher une seule voiture. Ah là, ça devient plus compliqué déjà. Ensuite, en difficulté hyper. Bon, alors là, c'est pas gagné non plus.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà, c'est les trophées de la mort dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est finissez la route A, la route B, la route C, la route D, la route E sans toucher le bord de la route. Il y a juste 3 personnes qui ont réussi à faire la route A sans rien toucher. Les autres, pas réussi. Bon, très bien. Et eh bien écoutez, on va continuer. On va retourner au mail. Yop! Il y a des trophées dans ce jeu. Alors, Killer Volant, c'est ce que j'expliquais au début, avant que ça coupe. C'est que, en fait, sur les jeux rétro. Salut Sébastien, sur les jeux rétro, t'as Retro Achievement. C'est ce que j'ai mis juste avant. C'est un site web avec une communauté derrière de joueurs qui ont décidé de créer des trophées pour les jeux rétro. Et ensuite, ça s'est implémenté dans des émulateurs. Donc là, j'ai un émulateur Mega Drive qui est fait exprès pour ça. Mais si vous utilisez Recalbox, eh bien, sachez que cette fonctionnalité est implémentée aussi dedans. Ça, c'est trop fun. C'est trop fort. Et du coup, ben voilà. Typiquement, là, je joue à Outrun et j'ai une liste de trophées, quoi. Il y a plein de jeux sur tous les jeux, pratiquement tous les jeux qui existent. Tous les jeux rétro, il y a des trophées. Et ça relance l'intérêt. Ça relance l'envie de refaire tous ces vieux jeux, quoi. En plus de la nostalgie, là, maintenant, on a une deuxième motivation, c'est débloquer des trophées. Et on sait tous que ça marche très bien, tout ça. Allez, c'est top, c'est top, c'est top. On va essayer d'en débloquer d'autres. On va tenter de finir le jeu. Soyons fous. Hop, je change de musique. Qu'est-ce qu'on a? Step on beat. Allez, go. Get ready. Oh là là, c'est quoi cette musique? Oh là là, comment ça sent la musique des années 80? Il y a Eddie Murphy qui va débarquer dans pas longtemps, je pense. Pas 90, même pas à 80, quoi. Non, poussez-vous. Poussez-vous les chauffards. Oh putain, il y a trop de monde. Ah, j'ai rétrogradé encore. Je ne suis toujours pas soigné. Je ne veux pas rétrograder, je veux juste freiner. Il faut que j'appuie sur le bouton A. Le bouton A, pas le bouton C. Waouh, j'ai un peu trop freiné. Hey, j'ai mordu. C'est fichu pour le trophée. Allez, deuxième zone, on y croit. Checkpoint. On va essayer de pas se manger d'arbre cette fois. Non, 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 j'ai failli. Hein. Voilà, j'ai rétrogradé volontairement pour une fois. Incroyable. Tout en maîtrise, je ne vois absolument rien. Ouais, si je passe pas la deuxième, ça va pas le faire. Oh là 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 là. Oh non! Oh non! J'ai à peine mordu. Ça change de Forza Horizon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Je suis pas sûr, hein. On va voir où j'arrive. Aïe 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 aïe, quelle erreur. Ah non, je voulais. Bon bah tant pis. Alors là c'est vraiment fichu. J'ai raté mon trajet. On va découvrir une nouvelle route du coup. Et j'ai oublié de passer la deuxième. Ah bah du coup ça me fait un autre trophée vu que je suis en train de parcourir une nouvelle zone. Tout n'est pas perdu. Pousse-toi. Aïe 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 aïe. Ah les moulins. Oh là la catastrophe. Moi je suis resté à Forza, je veux tout le temps aller à gauche quoi, je veux pas aller à droite.
Oh là là, mais c'est catastrophique. Pourtant, la route a l'air bien large, mais je suis hypnotisé par toutes ces fleurs. Alors à l'époque de tous ces jeux de voiture là comme ça avec ce mode de défilement, ce scrolling un peu crados, il y en avait un qui m'avait vachement plu à l'époque, c'est Chase HQ. Je sais pas si vous connaissez. Oh là là, oh là 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 là, c'est du foin difficile. Hein. Chase HQ, fallait en fait, c'était pareil sauf qu'on avait une Porsche, ah, super original. Et en fait le but du jeu c'était qu'on était une voiture de police, fallait rattraper un bandit qui était sur la map et après fallait lui foncer dedans. Et tout de suite c'était vachement plus fun. Là, c'est peut-être pas la peine de mettre mon nom, hein, c'est la honte. J'ai fait n'importe quoi. Ceci dit, j'ai fait quand même mon deuxième score. Comme quoi, je m'améliore même en faisant n'importe quoi. Ça pique les yeux quand même, je suis bien d'accord. J'ai essayé quelques filtres, hein. Je peux vous mettre des scanlines histoire de vous apaiser la vue, mais en fait, ça rend pas super bien sur ce jeu. Quand on fait genre 25% de scanlines, hop, ça donne ça. Je sais pas si c'est mieux. Je vous laisse en juger. Ah mais c'était la musique qui m'a perturbé. On va remettre la musique d'origine, c'est pour ça. Allez go. Cette fois, on y croit. Ah c'est pas mal avec les scanlines en fait. Hein. Pourtant tout à l'heure j'ai testé, ça rendait moyen. J'avais dû faire un truc. Autre. Alors je freine sur A, je freine sur A. Bon, je vais le doubler par la gauche cette fois. Parce que j'arrête pas de doubler depuis tout à l'heure les gens par la droite. C'est peut-être pour ça que j'y arrive pas. C'est mal. Ouh, je le sens pas lui. Ouh, je le sens pas. Allez, vite, on passe. Oh, j'ai trop freiné. J'ai trop freiné. Et 3, 3 et 3. Non, non, non. Oh là là. Je regarde le chrono et je me prends l'herbe. Alors là, je vais essayer de ne pas me prendre les arbres comme tout à l'heure. On va peut-être freiner un peu. Voilà. On sait jamais. Ouh là là, ouh là là. J'ai peur. Je ne vois absolument rien. Ouh là là, j'ai eu chaud là aussi. Jeu d'arcade où faut freiner, non mais c'est n'importe quoi. Ça clignote, ça clignote. J'aime pas trop cette zone, hein. Vivement qu'on soit dans le désert, c'est un peu mieux. Laissez-moi passer. Allez, salut. Aïe aïe aïe, ouh là là, c'est dangereux ici. Ouh là 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 là. C'est bon, ça passe. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Ouh là là. Je vais faire une crise d'épilepsie en direct, je pense. Si je joue trop longtemps. Pousse-toi avec ta voiture de Mad Max. Allez, on se centre. Comment je vais faire pour les doubler ces deux-là? Ah punaise, je vais lui foncer dedans, je le sens bien ça. Aïe aïe aïe, et voilà. J'en étais sûr. Oh là 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 là, mes pauvres yeux. Ah, et pour info aussi, sur Master System, donc la version qui était encore plus moche, il y avait même une version 3D. Avec des lunettes 3D qui étaient sorties sur Master System. J'ai eu l'occasion de tester ça avec, je sais plus s'il y avait Christophe, je crois qu'il y avait Christophe aussi, sur un salon. Et alors là, je peux vous dire que vous avez les yeux qui saignent en 5 minutes. Mais ça marchait, hein. Il y avait un petit effet de 3D. Pour les années 80, c'était classe.
Bon. On serait pas en zone 4? L'air de rien. Checkpoint, 79. Allez. Faut rester concentré. On y croit. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Ce freinage d'urgence. Allez, ça passe pas là. Ouh là là. J'aime pas trop ça. Punaise. Allez, te déporte pas! Oh l'enfoiré. Vous avez vu cette queue de poisson? C'est abusé. Je n'y vois rien. J'aime pas les montées. J'ai failli me prendre le pick-up, j'ai freiné comme un malade. Je suis en train de perdre du temps! Ouh là là, j'ai eu chaud. Freinage d'urgence encore. Heureusement, je maîtrise le bouton à main. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, punaise, ça tourne là. Allez, dernière zone. J'ai un peu d'avance par rapport à tout à l'heure. On y croit. Oh non, pas le camion. Je t'ai vu venir. 66. Nouveau trophée, wow. Va-t'en le trophée. 66 secondes pour finir la zone, c'est compliqué là. D'habitude, je suis à 76. Et en plus, je la connais pas du tout celle-là. Oh là là, mes yeux. Pourquoi je freine? N'importe quoi. Trop de stress. Trop de stress! Oh là 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 là, et c'est l'échec. Ah la tristesse, c'est la grosse tristesse. Poussez-vous les camions! Ah, les panneaux de la mort, non. Poussez-vous. Ah! Oh, j'ai fini le jeu à une seconde de la fin. Trop fort. Ah là là, énorme. Regardez-moi, time 1, une seconde. Victoire. Bon, bah, j'aurais réussi à finir le jeu quand même, malgré cet accident. Donc ça, c'est la première des fins. Et comme je vous disais, en fonction des routes qu'on fait, il y a des fins différentes. Là, ils m'ont jeté, je sais qu'il y a une fin avec Aladdin. Il y a un peu de tout. Pour faire la fin d'Aladdin, bon, après, je vais faire n'importe quoi comme circuit, je pense. Donc ça nous fait du 3 millions. Voilà, je mets mon nom par contre. Hein. Bon, on va essayer les autres routes de toute façon, pour être franc. J'ai pas retenu les tracés. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans la chatroom pour ceux qui sont en direct? Killer Volant, il y avait un contrat qu'avec Ferrari à l'époque. Non, en fait, il n'y avait pas de contrat, ils ont fait ça en loose day. Et après, ils ont eu des soucis avec Ferrari, mais beaucoup plus tard, quoi. Il y a eu des procès, et puis finalement, ils sont tombés sur un accord. Mais à l'époque, ils ont juste dit oh, non, non, ça ressemble à une Testarossa, mais c'est pas une Testarossa. On y croit. On y croit, on y croit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit niveau trophée? Ah, j'en ai 7 maintenant. J'en ai 7, j'en ai 7. Voilà, j'ai récupéré les vignes en plus. Et c'est tout. Normalement, je devrais avoir celui qui me dit que j'ai fini le jeu. Il est où? 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 Ah non, faut être en difficulté pro. Après, c'est juste finir les stages. Ah! Ah! Faut que je finisse le jeu en pro, mais vous êtes fous! Et sinon, il y avait le trophée. Ah oui, 5 millions le premier trophée. Bon, bah, j'en suis loin là. J'ai fait 3 millions 5. 3
3,5 millions. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, à chaque partie, je progresse, on va dire. Allez, on y retourne. On va faire une autre route cette fois. Ça ressemble pas à une Testarossa, ça c'est une bouée de pixels. Ouais, effectivement, bah c'est un peu leur ligne de défense. Allez, on change de musique. Va dire que c'est très largement inspiré quand même. C'est vrai que sur la vraie Testarossa, on voit pas trop les phares normalement. Ça me perturbe même plus de pas entendre le moteur de la voiture. On s'y fait finalement. Allez, je passe par la gauche. Oh là là, mais il y a du monde là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de pointe. Ouais, il est là, je le sens pas trop. Je crois que la voiture qui était devant moi, elle a foncé dans le camion sans souci, quoi. Elle est passée à travers. Je freine trop là à chaque fois. Beaucoup trop. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire droite, droite, droite. Allez, on va changer complètement. Celui-là, on l'a jamais fait. Hein. Aïe, ça commence mal. Checkpoint. Oh! C'est quoi ces buissons? Les buissons plus costauds que les murettes en pierre de Forza Horizon 4. J'ai à peine mordu, c'est assez punitif, hein? Waouh, des nuages. Stroboscope! On va éviter de reprendre cette route. Hein. Elle fait mal aux yeux. Et il y a des arbres. Et il y a des voitures. C'est la catastrophe. Allez, démarre, 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 démarre. Il m'a pas changé de musique. J'avais changé de musique pourtant. Bon, c'est mal engagé là. Est-ce que je vais finir la zone au moins? Elle était dure celle-là. Allez, si. Oh punaise. Bon, ben non, je vais pas la finir. Une seconde. Raté. Alors. Ok, ben. On va éviter d'y retourner par là. Ah, il me demande quand même mon nom, il est gentil. Allez, on y va. Hop. Ah bah si, c'est celle-là. Du coup, on va faire gauche et après on fera droite. Elle était plus facile l'autre quand même. Donc là, on fait tout à fond. Il faut juste éviter les voitures. Le seul moment où il faut un petit peu freiner, c'est l'espèce de. Non, non, non. Ouh là là. C'est une espèce de chicane. C'est-à-dire là, voilà, en plus il y a des voitures, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai pas pu éviter le freinage. Alors non, on ne va pas à droite, c'est complètement nul à droite. Celui-là, il était plutôt cool. Espèce de désert foncé.
Oh punaise. Allez, 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 ça passe. Là, ça va être compliqué, là. Ah là là. Non, oh, punaise, j'ai fait me prendre l'arbre. Allez, mais vous êtes toujours ensemble, tous les deux. Laissez-moi passer. Donc là, je vais à la droite, si je peux. Voilà. On va aller découvrir cette nouvelle zone. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est la Hollande, horrible. C'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Je vais freiner à tous les virages, quoi. Faut que je fasse gaffe quand il y a les moulins, surtout. Genre là. Voilà. Oh, mais même en freinant, ça passe pas. Oh là là, comment c'est punitif. Tu joues... Ah mince, j'étais en train de lire la chatroom. salut Ced. Je joue sur Mega Drive. Et je ne vais pas dépasser ce stage, du coup, je me suis pris deux panneaux, là. C'est pas bon du tout. Combien il me reste? 30 secondes. Voilà, peut-être. On va tenter, on sait jamais. Punaise, oh là là, comment ça te freine. Donc là on a fait gauche, droite. Et poussez-vous les coccinelles. Je suis dans les Alpes, très bien. Oh là là. Oh là là, mes yeux. Non, je ne veux pas foncer dans les panneaux. Obligé de freiner encore. Aïe, 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 aïe. Sur Mega Drive, ils étaient obligés de faire les routes comme ça, là. Les routes rayées pour donner l'impression de vitesse. Je me demande ce que ça aurait donné sur Super Nintendo avec le mode 7. Ça aurait été plus fluide, hein. Aïe, 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 aïe. Que dis-je sur Saturne? Pourquoi pas? Ouais, j'ai réussi. Allez, on va où? À droite? On va tenter la droite. Ouh, il a l'air sympa celui-là. Ouh, je l'ai eu à une seconde près le checkpoint. Pas bon, pas bon. Pousse-toi le trophée, je ne vois plus la route. Ah, j'aime bien ces routes bien larges. Ah non, je dis ça et je me prends une voiture, quoi. Alors, sachant que j'ai passé le checkpoint à une seconde, est-ce que j'avais le droit de me prendre une voiture? C'est pas sûr. Aïe aïe aïe. Chicane plus voiture égale accident. Dix-neuf secondes. Go 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 go. Ah ouais, ouais. J'ai plus le temps de freiner là, désolé. Et voilà. Bon, du coup, j'ai fait gauche, droite, droite. Ah, mais j'étais à la fin. Bon, on va refaire ceci. On va refaire ce trajet, alors, du coup.
C'était pas si mal. Voilà, j'ai fait. Ouais, mais je me suis pris deux panneaux. Oups, c'est HB. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Hop. À part le niveau avec les. Ah, ça a replanté ou quoi? Je vous ai perdu, je sens. Est-ce que c'est ma plante tablette qui a planté ou est-ce que c'est le stream encore? Non, ça marche. Bon, parfait. Parfait, parfait. Je vais baisser OBS, je sens qu'il me fait des misères. Allez, on est reparti. Quelle heure est-il? Encore un quart d'heure, on va dire. Un petit quart d'heure. Ah, mais oui, c'est vrai que la première musique, c'était celle-là. Donc, on fait gauche et après droite, 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 droite. C'est parti. Vous avez vu, même les cheveux de la fille sont animés. C'est trop fort, hein. Ça, c'était le souci du détail. Souci du détail de l'époque. Alors, est-ce que je vais réussir à bien gérer la chicane ou pas? Faudrait que je dépasse ces deux voitures avant. Voilà, les deux de plus, bien sûr, toujours plus. Bon, c'est moins mauvais que d'habitude, on va dire. Donc pas à gauche, et après on va tout le temps à droite. On va essayer de faire cette fin-là. J'y étais presque, ce serait dommage de pas la faire, de pas la tenter. Ah, j'ai trop freiné. Je n'y vois rien. Est-ce que je rétrograde ou pas? Non, c'est pas la peine. Allez, on y va comme ça. Pas trop la peine de freiner, hein. J'ai freiné mais je pouvais y aller à fond, j'ai l'impression. C'est les panneaux qui m'ont fait peur. Aïe aïe aïe. Là par contre, j'ai bien fait de freiner, je pense. Ah, pousse-toi le camion. Allez, go. Next. Ah, le niveau, j'aime pas. Mais vas-y, t'as qu'à me foncer dedans, toi. Faut que j'évite les moulins, faut que j'évite les moulins. Aïe aïe aïe, c'était chaud. C'est quoi ce virage? J'ai failli oublier de changer de vitesse. Les panneaux qui font peur. Et il y a un autre moment où je me suis mangé les fleurs jaunes. Ça m'a tellement ralenti. Ouais, j'évite de refaire pareil. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Non, mais pousse-toi! Oh, mais non! Queue de poisson. C'est trop injuste. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Sérieux, c'est abusé. Allez, c'est bon, c'est fini. Ensuite, c'est les colonnes. Fermez tous les yeux, vous allez devenir aveugle sinon. Non, c'est pas encore? Ah si, voilà. Oh là là, mais il y a trop de trafic ici. Allez, la queue de poisson encore! Oh, j'en étais sûr.
falloir que je freine quand on me fait des queues de poisson, s'il est admissible. Tout à l'heure, j'ai réussi à finir le jeu en me prenant un accident. On va voir si c'est un exploit que je vais réussir. Ah non, je vais pas réussir à le refaire. Ah, je peux pas recommencer. C'est là que normalement on appuie sur le bouton reset de la console d'une manière très énergique. Plutôt aller me garer dans l'herbe. Ah! Non, j'ai eu le checkpoint. Bon, c'est pas grave. Ça va faire de l'entraînement. Ah oui, c'est les buissons de la mort. Tout à l'heure, je m'en suis pris un. J'ai fait un vol plané. Quoi? Et voilà, c'est ce que je disais. Il y a des buissons sur le terre-plein central. Je répète, ne pas traverser la route. Il y a des buissons sur le terre-plein central. Et j'y retourne. Quatorze. Treize. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ah, j'ai été obligé de freiner, et voilà. Ah! Si près du but. Ça, c'est pour me punir, parce que tout à l'heure, j'ai fini à une seconde. Allez, on va retenter. Toujours le même circuit. Quoique les colonnes, c'est pas top, hein. Ah, j'ai oublié de passer la seconde. Ça commence bien. C'est qui avoir la musique dans la tête toute la semaine? C'est moi. Oh, obligé de freiner à ce moment-là du jeu, c'est n'importe quoi. La console ne veut pas que je gagne. Ils me font tous des queues de poisson. Bon, heureusement, la chicane, je l'ai bien passée pour une fois. J'ai gagné un peu de temps. J'ai rattrapé un peu de temps perdu. Et j'ai mordu encore. Ah, j'ai mordu. Tout ça pour regarder la chatroom. C'est à cause de toi, cul blanc. Allez, je me reconcentre. Parce que là, il y a des arbres qui sont pas très sympas. Oh, mais non! Oh là là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ok, jusque là tout va bien. Freinage d'urgence. J'ai bloqué les roues. Aïe, aïe mes yeux. Ouf, c'était chaud. C'était très très chaud. C'est vous les bleus.
Allez, mais il y a trop de monde sur cette route. Allez, accélère, 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 on les fume, on les fume. Ah, les fleurs de la mort. C'est là qu'il y a les moulins, hein. Ouais. Allez, on repasse la première. Allez, on y va, c'est reparti. Bien géré, là, pour une fois. Oh là là. Ça, c'était moins bien géré, par contre. Allez, ça passe. Je crois qu'il y a un autre virage de la mort un peu plus loin. Genre celui-là, non, pas du tout celui-là, j'ai freiné pour rien. Ah, c'est là. Allez, on va à droite. Non, 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 sors de l'herbe. Non mais c'est quoi toutes ces voitures? Trop dangereux, trop dangereux. Vite, vite, vite. Allez-y, prenez de l'avance. Tant que vous me faites pas de queue de poisson, tout va bien. Aïe aïe aïe, pas les panneaux s'il vous plaît. Pour l'instant, on est bon. On est bon pour arriver à la fin, là, pour l'instant. On est dans les temps. Ça fait mal aux yeux. Oh non, mais voilà, j'ai fait n'importe quoi. Catastrophe. J'arriverai pas à le finir en faisant un perfect, hein. Sur la dernière colonne, je sais pas ce que j'ai fait là. Oh là là, quelle catastrophe. Je suis déçu. Pousse-toi, Barbie, là. Allez, le niveau des buissons de la mort. Peut-être que je change sur la fin. Allez, poussez-vous. Sérieux. Oh là là, mais c'est quoi cette vue en contre-plongée? Non, poussez-vous. Non, non, pas au milieu, pas au milieu. Ouh là là, j'ai eu chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ne pas aller sur le terre-plein central, il est piégé. Non, non, non. Ouh là 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 là, j'aime pas trop ça. Vite, vite, il reste 23 secondes. J'y vois rien, sérieux, j'y vois rien. Allez! Oh non! C'était chaud! 8 secondes. 8 secondes. Et c'est la victoire! Yes! Ah, je vais pas arriver à 5 millions. Ah, je vais pas arriver à 5 millions. Dommage. J'ai raté le trophée des 5 millions. Et comment on fait pour avoir 10 millions, sérieux? Alors, la fin est différente. Ah oui, j'ai la coupe. Ah, et je me prends un gros vent. La coupe, elle est pour ma copine. Trop bon. Bon, alors, comment pour éviter les colonnes? On peut pas. Si, il faut que je fasse gauche. Ouais. Après la Hollande, je vais à gauche. Ça nous fera une autre fin. Ah, on progresse doucement. Hein. C'est ce que me dit souvent ma femme, nous dit Cublan dans la chatroom. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de dire comme bêtise? C'est gars. Allez. On va changer de musique.
Celle-là aussi, elle est bien. Sinon, je peux retenter le premier droite, hein, mais bon. Ouh là là, ça commence chaudement. On va essayer de découvrir de nouvelles zones. Là, il y a du monde, il y a du monde ici. Oh là là. J'ai un peu trop freiné, mais c'est pas trop mal. Allez, on part à gauche. Le désert foncé. On commence à maîtriser, hein. Là, c'est bon, on l'a vu 50 fois. Toi, t'essaies de me faire une queue de poisson, tu crois que je t'ai pas vu? Ah, le camion, vas-y. Oh punaise, il sort de nulle part. J'ai eu chaud aux fesses. Oh! Bon bah alors là c'est fichu. Je sais pas ce qui s'est passé mais... voilà, on va attendre que ça recommence parce que je vous rappelle que je veux pas redémarrer. Si, si je fais un petit reset. Un petit peu risqué tout ça. On en est où là? 11 trophées sur 31. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la vieille capitale, le canyon du démon. Ah, il me reste plus que deux, j'ai pas fait. Hein. Et après, il va falloir que je teste en difficulté pro. Je sais pas si on a plus de points, on va essayer peut-être après. Tout est de ta faute, Cublan, bien sûr. Allez, oups, pardon, je vais remettre le jeu. Yop. Plutôt celui-là, ça sera mieux. Oui, bon, c'est pas la peine de... d'afficher la carte, c'est pas la peine d'afficher les scores, je pense. Voilà. Ouais, il faut 5 minutes 20 pour finir le jeu. Ça va. Oui, il faut que je reclique sur le jeu, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, go. Magical Sound Shower, c'est laquelle celle-là? Ah oui, celle-là. Wow. Plutôt sympa ce stage 1, c'est un bon stage 1 ça. Avec de la plage, du soleil, des routes bien larges. Une seule chicane. Vous voyez que les ennemis se foncent les uns dans les autres, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un peu injuste pour moi je trouve. Ah mais oui, mais elle est bien cette musique aussi. Que de poisson man. Ah mais laissez-moi passer à droite. À gauche. Bon bah tant pis. Tant pis, on est mal embarqué les amis. Allez mais ils font tous des queues de poisson là, c'est quoi cette partie? Ah, ça ressemble à des buissons de la mort, ça, attention. Je reste vigilant. Ah oui. Stroboscope.
Ça passe, ça passe, ça passe. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. J'aime pas trop ces routes en montée. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, mais je me suis jamais pris quelqu'un sur une montée. J'espère qu'ils ont codé le jeu pour que ça n'arrive pas, parce que ça serait vraiment injuste. Sans vouloir me plaindre. Ok, donc celui-là, finalement, il est pas si dur. Il suffit de freiner un petit peu. Et du coup, on découvre. Ah non, on l'a fait celui-là tout à l'heure. C'est celui avec les grosses pierres, je crois. Non, pas du tout. Ah si. Rien que de les voir, je freine. Je le sens pas. Bon, le double camion, on y va. Il y a du monde, il y a trop de monde ici. C'est pas bon ça. Oh là là, j'y vois que dalle. J'aime pas du tout ça. Et voilà. Bon, ça va, j'ai pas fait un vol plané, j'ai évité le pire. Je limite les dégâts. Ouh là là, c'était chaud. J'aime pas du tout ces bords de route. Pire que des platanes. Laisse-moi aller à droite, laisse-moi aller à droite. Laisse-moi passer, toi. Ok, checkpoint. Je freine en ligne droite, c'est n'importe quoi. Oh, de la plage encore. Je sais pas si c'est le dernier celui-là du coup, ou si c'est l'avant-dernier, j'ai pas compté. Je vais éviter de compter en conduisant. Il y a eu le premier, il y a eu le deuxième de la mort, qui finalement s'est bien passé. Le troisième, c'était celui avec les gros cailloux. Et donc ça, c'est le quatrième, ouais. Allez, 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 allez. Oh là 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 là, c'est quoi ce virage? Oh, ah, punaise. J'ai freiné comme un malade. Allez! Checkpoint. 68 secondes pour le dernier tronçon. Si j'ai pas d'accident, ça va le faire. Oh là là. Il est fébrile, il est fébrile. Il ralentit beaucoup trop. Les buissons de la mort sur votre droite. Oh là là, ça tourne sans prévenir. Non, non, non! Allez, démarre! Ah, ça serait bête de perdre sur ça. J'ai freiné pour pas me le prendre, mais. Il m'a éjecté dans l'arbre. Camion plus chicane, sympa le jeu. Yes, fini! Ah, bah voilà les 5 millions! Et encore, je me suis pris l'arbre à la fin. Dommage. Allez, une nouvelle fin. Pour vous. Qu'est-ce qui va se passer cette fois? Attention. Même pas de cinématique, ça finit en. Enfin, une cinématique de 3 secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends la coupe cette fois. Très bien. Très bien. Et j'avais la barrière ouverte, non? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Ok.
Alors, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Donc j'ai fait toutes celles à droite, j'ai fait l'avant-dernière, j'ai fait celle tout en haut. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse celle du milieu, donc il faudrait que je fasse gauche-gauche et après tout le temps droite. Gauche-gauche et après tout le temps droite. Allez, on va essayer ça et après on s'arrêtera là-dessus parce que... Avant que je fasse une crise d'épilepsie. Avant que je perde la vue définitivement. Ce serait ballot. Bon, il est bien sympa en tout cas ce petit jeu. Il est bien sympa. Pas facile, mais une fois qu'on s'y met, ça va. Ah ouais, d'accord, elle était cachée. Il fallait revenir en arrière en fait. Sinon, il n'y a que les trois comme ça. Bon, Step on Beach, je crois qu'elle est pas terrible, mais on va la mettre, ça changera un petit peu. Ah oui, c'est la chanson d'Eddie Murphy. Ça sent bon l'Eddie Murphy, ça sent bon le Mel Gibson avec les cheveux longs, la nuque longue. J'ai dit quoi? J'ai dit gauche-gauche et après que du droite. Hein. J'ai fait n'importe quoi. J'ai rétrogradé au lieu de freiner. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça. Alors, c'est le tronçon qu'on faisait au début de la soirée, ça. Pardon, j'ai oublié, je roule dans l'herbe. Enfin, dans l'herbe, dans la terre. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je ne vois rien, je ne vois rien. Oh, j'ai trop freiné. Oh, j'ai eu chaud aux fesses. Et après, c'était le désert, je crois. Hein. Je vais vomir. Ah! J'ai lâché le bouton. J'ai glissé, chef. J'ai lâché le bouton. C'est couillon, ça. C'est couillon. 18 secondes. Je vais plutôt attendre et je vais recommencer. C'est moche. C'est moche, mais j'aimerais bien battre mon score quand même. Il n'y a pas de moyen plus rapide, hein, je suis désolé. Mais... Allez, on y va. Ah, je vais te changer. Oh, ça commence bien. Un bon vieux camion. Je vais payer trois voitures pour la chicane. C'est super. Bon, ça va. Trace, hein.
J'arrive même pas à le doubler, sérieux. Allez, on se déporte un peu. Je freine trop. Pas de queue de poisson, s'il vous plaît. On m'a dit qu'on arrêtait ce genre de choses. Aïe. Il n'est pas passé loin l'arbre. Hein. Ah, c'est là que je freine toujours trop. Allez, zone suivante, s'il vous plaît. Voilà, le désert. Ok. Oh, mais non. Facile cette zone hein. Sauf qu'on roule souvent dans les bordures. Aïe, genre là, ça c'est pas bon du tout. Ouh là là, j'ai fait une pente de panneau en plus. Allez, démarre. Allez, on va à droite. Je sais pas si on l'a fait celui-là déjà. Non, on l'a jamais fait. Portion de nuit. Soyons vigilants. Alors, je freine sur le A. Je freine sur le A. Le mec qui freine dès qu'ils vont un virage maintenant. Ouh là là. Par contre, s'il y a des maisons sur le côté, là je freine. Là, là c'était dur. Oh non, pitié. J'ai eu chaud. Le problème c'est que les arbres sont de la même couleur que le sol. Voilà, là, j'y vois rien, j'aime pas ça du tout. La montée avec le virage et les maisons, c'est pas cadeau. Ok. On l'a fait. Pourquoi j'ai pas eu de trophée d'ailleurs? Je l'avais pas fait cette portion. Ah bah voilà. Oh punaise, j'y vois rien. Barrez-vous. Putain, mais il y a trop de monde ici. Celle-là non plus, je l'ai pas faite. Ah, je freine comme un malade. Hein. J'y vois rien donc. Ah, là aussi il y a des colonnes. On va se remettre au milieu de la route. C'est chaud. Je sais plus si c'est la dernière portion du coup. J'en ai fait deux nouvelles. Ah, mais non! Ah, le nul! Concentré. Dommage, j'étais bien là pour dépasser encore mon score. C'est pas grave, on l'a fini quand même. Une fois de plus, on aura vu toutes les fins, je pense, hein.
Ah non, peut-être pas la B. On n'a pas fait la B. Oh là là, la fin dans le désert, énorme. Il me donne une coupe, il me donne la lampe d'Aladin. Excellent. Sauf qu'au lieu d'avoir un génie, j'ai 4 femmes. Est-ce bien mieux? Je ne suis pas sûr. Et ben voilà, encore une victoire. Bien, 5-20. Ouais, j'ai fait moins vite que le truc d'avant, sauf que j'ai fait plus de points. Je sais pas trop comment ils se calculent les points. J'imagine qu'il n'y a pas de combo quand même. J'ai dû perdre des points. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Non, 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 Get ready. non. Attendez, attendez, attendez. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Comment je redémarre? Je me rappelle plus. Ah. Bon, c'est pas, on va faire encore une partie pour essayer d'avoir le B. Et puis après, j'essaierai en difficulté pro, histoire de voir un peu si ça rigole ou pas. Donc là, il faut que je fasse gauche, 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 gauche. Et tout à la fin, il faut que je fasse droite. Oh là là, mais c'est mauvais ça. Oh là là, j'ai chaud. Allez, allez, sors de l'herbe. Suis pas concentré là, je fais n'importe quoi. J'étais en train de calculer, il y a celui-là, après il y a le désert qu'il faut que je fasse. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi, c'est la catastrophe. Ouais, genre quand je roule dans la terre, à mon avis. Allez, mais il y a du monde de partout. Pousse-toi, toi, avec ton pick-up. Quand je roule dans la terre, à mon avis, ça doit soit ne pas me donner de points, soit m'en enlever. Je sais pas. Je ne fais que ça sur cette partie. En plus de freiner quand je parle. Donc le deuxième c'est bon. Ensuite le troisième c'est le bon vieux désert. Donc ça c'est le 3. Non! Ça c'est le troisième. Après j'en fais encore un à gauche. Jamais j'y arrive parce que là c'est mal engagé quand même. On va essayer d'arrêter de foncer dans les gens. Ma pauvre Ferrari. Oh mais j'en ai marre de ces camions. Il manque un bouton pour klaxonner en fait.
Aïe, 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 aïe. Sors de l'herbe. Donc là, on va encore à gauche, on a dit. Go, 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 go. Fais toi pour faire un meilleur score, vaut mieux freiner, même si on met un peu moins de temps, un peu plus de temps, pardon. Vaut peut-être mieux freiner et éviter de rouler dans la terre. Faire 10 millions quand même, j'en suis loin. Aïe aïe aïe, oulala, j'ai eu chaud aux fesses. Allez, c'est cette fois qu'on va à droite. Pour découvrir la dernière zone qu'on connaissait pas. Voilà, 8 secondes, 7 secondes. Ah, checkpoint. Peut-être falloir accélérer là quand même. Du coup, je sais pas s'il y a des buissons de la mort ou des trucs comme ça sur les côtés. Pour l'instant, ça a l'air plutôt sympa. Ah, il y a des pancartes. Mais la route est large. Je te fume. Trop de monde, trop de monde. Je suis obligé de passer sur la dernière voie. De mordre, c'est pas bon ça. Ah, il y a trop de monde ici. Pour l'instant, tout va bien. On s'approche de la victoire. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est mauvais ça. Oh, c'est mauvais. Oh là là, je suis allé hyper loin. 11 secondes. Ouf, c'est la fin. Salut Jericho. Regarde ça. Encore une fin. Ça y est, je les ai toutes faites. Je fais pas des gros scores. Mais voilà, j'aurais fait le tour. Maintenant, je vais essayer en pro, histoire de voir ce que ça donne. Alors, ah putain, oh excellent, pas excellent, non j'allais dire, j'allais dire elle tourne ses roues comme dans Retour vers le futur, comme la DeLorean, mais non, c'est juste que j'ai défoncé la caisse. Bon bah voilà les amis, on a vu toutes les fins, on va essayer le mode pro, 5 minutes, et puis après, ça sera l'heure de nous quitter. Bon, 5 millions, 6, c'est pas avec ça que je vais faire un score mémorable. Ah, Jericho dans la chatroom qui a tâté du Outrun aussi. Je crois que tu me l'as dit de son score. Ça commençait par un 6 ou par un 8? Non, plutôt par un 8, je pense. Parce que le 6, j'en suis pas loin. Et franchement, j'ai pas fait des belles parties. Déjà, si je finissais un run sans toucher personne, ça serait pas mal. Ah, mais voilà, j'ai la super vraie fin du jeu. Excellent. Voilà, pour les 3 qui sont restés jusqu'à la fin. Vous aurez vu la vraie fin du jeu. Graphic Maiden. Graphics. Mmh, ok. Ils étaient vraiment plusieurs pour faire la graphique. Ah mais il conduit comme moi lui. Celui-là il était pas très fun comme cette portion n'était pas très fun. Avec les arbres couleur terre. Bon sound par contre ils ont assuré TS Music. Sauf pour le bruit du moteur. Ah les buissons de la mort. Special thanks. Ok. Ma maman, mon papa, mon producteur. Du
coup, sur borne d'arcade, on pouvait jamais voir la vraie fin, alors. Comment on faisait? Ou alors, fallait enchaîner les crédits, peut-être. Merci, merci. Ah, ça j'ai vu tout à l'heure cette fin. Gros vent. Est-ce qu'ils vont enchaîner les 5 fins? Ah mais non, tout est bien qui finit bien. J'ai le bisou et j'ai la coupe. Trop fort. Oh là là. Petit problème de perspective là, non? Qui c'est qui a dessiné ça? C'était pour pas avoir de problème avec Farai, on va dire. Ah, ça serait beau de finir le stream sur ça, mais on va essayer le mode pro quand même, juste pour le fun. Histoire de voir si ça change la circulation ou si c'est juste le chrono qui descend plus vite. Alors, start, je ne fais pas start. Je vais dans les options. Ah, mais attends, oh là là. D'accord, si, il y a bien 5 niveaux de difficulté, donc c'est comme sur 3DS en fait. Ok, je me suis trompé. Donc je vais mettre en pro, hein, bien sûr, on est des ouf. Ça, c'était pour écouter les sons. Get ready. Ça, c'est ok. Il y avait ça dans les jeux à l'époque. Du coup, on pouvait s'amuser quelques temps dans les options. Est-ce qu'il a bien enregistré que je veux jouer en pro? Oui, il a bien enregistré, malheureusement. Allez, adieu. On y va. On va changer de musique. Ça commence, j'ai 71 de temps. Ce qui semble... Ah si, ça descend peut-être plus vite le temps, non? Je crois. Ou alors toutes les voitures vont me faire des queues de poisson. C'est peut-être ça l'histoire. Oh, déjà il y a beaucoup de monde, je trouve. Il y a beaucoup beaucoup de monde. Voilà, d'accord. Ça peut arriver, ça peut arriver. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles voitures? C'est vrai qu'il y a un peu plus de circulation. Hein. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, ça passe. Oui, 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 il y a du monde, il y a du monde, il y a trop de monde, j'aime pas ça du tout. Merde. Pardon. J'ai dû freiner comme un bourrin. Aïe, aïe, mes yeux. Bon, vous allez me laisser passer ou pas? Le gang des choupettes. Waouh, 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 waouh. Allez, vas-y, un camion en plus. On va rester derrière lui. Oh là là, mais oui, c'est n'importe quoi le trafic. Ils m'ont fait un mur. Ils sont hyper dangereux les camions. Plus que 6 secondes déjà? Ah, on doit avoir un peu moins de temps hein, parce que je ne suis pas vautré spécialement. Je suis obligé de freiner. Oh punaise! Saleté de camion. Bon bah ça a l'air compromis pour arriver au niveau d'après. Ah mais non!
Je n'y vois rien. Allez, je vous fume. Non. Toi qui roules à 2 à l'heure, tu ne veux pas aller sur la voie, la bande d'arrêt d'urgence, s'il te plaît. Ah là, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Oh punaise. Les touristes qui roulent à 2 à l'heure. Je n'y vois rien, je n'y vois rien, poussez-vous. Oh, je suis pas arrivé au checkpoint. Bon, c'est un peu plus dur, mais avec un peu d'entraînement, ça passe. Combien j'ai fait? Ah bah j'ai battu mon score. Ouh, mais je vais en refaire une petite partie alors. Le mec qui veut jamais s'arrêter en fait. Ça serait bien d'arriver à 6 millions. Et après j'arrête. Allez, go, 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 go. Ah mais non, ça compte pas, c'est vrai, ça compte pas en pro. Ça compte pas pour le concours des Retro Gamers de Bordeaux. Bon bah alors je vais arrêter, hein. Si c'est comme ça, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était un petit stream à Outrun pour fêter les 30 ans de la Mega Drive. Un super bon jeu à Outrun qui est sorti en 86. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu rébarbatif, comment dire. Un peu redondant comme stream, hein. Mais bon, c'est pas grave. Les gens sont venus, sont repartis, sont revenus, sont repartis. Jericho, t'es encore là, je te fais un gros bisou. Tout le monde, salut. Si vous voulez voir la suite des programmes, c'est sur studiorenegade.fr, vous aurez un agenda. Sinon, retrouvez-nous sur twitch.tv/studiorenegade et vous verrez, on a pas mal de jeux en cours toute la semaine et plusieurs émissions, dont un What the Fox, tout à fait, vendredi soir. Et si je fais un tour sur l'agenda rapidement, qu'est-ce qu'on a? Demain, on a plusieurs streams, voilà. On a du Borderlands 2 et du Outlast, sans oublier bien sûr tous les matins à 8h, la matinale de Cédric qui vous fait le tour de l'actu, le tour de l'actu tech. Voilà, voilà, et bien écoutez, moi je vous dis bonne soirée à tout le monde, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!